on va mettre Morgane. M-A-U-R-G-A-N-E. Ok. Je sais pas si on va arriver à lire, mais c'est bon. Voilà. Tout ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Quoi? Je ne ferai jamais ça. Cher professeur, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant, la situation que je vous décris ne concerne pas votre époque. En effet, je vous écris depuis le futur. 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Midland Road. J'espère vous revoir bientôt. Votre élève, Luc Triton. Voilà. Apparemment, ça se passe dans le passé. Aussi étrange que cela paraisse, il semble que ce soit toi qui aies écrit ce message depuis le futur, Luc. Depuis le futur? Mais comment une chose pareille est-elle possible? C'est une très bonne question. Si la lettre est authentique, comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle a peut-être été apportée par le facteur temps. Je plaisante, évidemment. En tout cas, nous voilà face à un mystère vraiment fascinant. Et même dans le futur, il semble que tu aies besoin de mon aide pour le résoudre. Je suis ravi de voir que tu m'accordes ta confiance, quelle que soit l'époque. Je vous en prie, mais professeur, comment être sûr que cette lettre est authentique? Eh bien, nous ne disposons que de peu d'éléments. Cependant, j'ai le sentiment que ce message a un lien avec les événements de la semaine dernière. Mystère. Voici les principaux mystères de notre aventure. Touchez le mystère qui vous intrigue. Le professeur Layton a reçu une lettre venant du futur. L'auteur prétend être Luc, qui écrirait de 10 ans dans le futur. Comment est-ce possible? Tout a commencé il y a une semaine. Grâce à un générateur alpha hexadimensionnel, je suis parvenu à projeter un faisceau de particules à travers un vortex, créant ainsi un pont entre deux points de l'espace-temps. Ce faisceau a permis d'établir un point d'origine et un point d'arrivée stable. À partir de là, il ne me restait plus qu'à moduler artificiellement le cours du temps et à générer un champ magnétique suffisamment puissant. Une fois le champ magnétique en place, il est possible de créer une sorte de fissure dans la trame même de l'espace-temps.
Ensuite, il s'agit tout simplement d'élargir cette fissure pour bâtir un portail énergétique que l'on pourra franchir. Dites donc, chef, ils n'ont pas lésiné sur le buffet. Hein. On parle pas la bouche pleine, hein. Je me demande pourquoi ils ont pensé qu'on méritait d'être invité à un tel festin. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis l'un des représentants de l'ordre les plus influents du pays. Il est donc parfaitement logique que l'on m'invite à un événement aussi important que celui-ci. Vous avez peut-être raison. Comment ça, peut-être ? Je veux dire, certainement. Vous avez certainement raison, chef. Voilà, on va examiner tout ça. Voilà, c'est comme sur la DS, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Là, de ce côté, on a le plan, et là, on est... Alors, on a des pièces. Oh, il y a des gens qui observent depuis ces fenêtres. Quelle machine étrange. Est-ce qu'elle fonctionne? Oh, ces mets sont tout à fait détestables, Bill. Je refuse de rester ici plus que nécessaire. Bien sûr, ma chérie. Je vous avoue que je ne me sens pas vraiment à ma place ici, professeur. Voilà un sentiment des plus compréhensibles, mon cher Luc. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en présence de notre Premier ministre. Regardez, professeur! Il me semble apercevoir l'inspecteur Chelmi là-bas. Au fait, professeur, que pensez-vous de cette présentation? Vous croyez qu'ils ont réussi à créer une vraie machine à voyager dans le temps? Je ne peux jurer de rien. Cela dit, si c'est effectivement le cas, cela risque de bouleverser la communauté scientifique. En tout cas, je suis impatient de la voir en action. Mais je vous sens un peu sceptique, professeur. Rien n'est impossible, mon garçon. Cependant, attendons d'avoir vu cette machine fonctionner. Pour être franc, il y a quelque chose d'étrange dans cette présentation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais bien sûr, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas? J'imagine qu'on pourrait dire cela. Enfin, assez de conjectures. Regarde donc là-bas, Luc. C'est l'homme chargé de la sécurité, non? Vous croyez qu'il a des problèmes? J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'un invité indésirable. Oh! Il y aurait donc un intrus parmi nous. Monsieur, pouvons-nous vous aider? Aider avec plaisir, je suis presque sûr qu'un pique-assiette s'est glissé parmi nos invités. Ah, une énigme. Alors, un pique-assiette s'est glissé parmi les invités de la présentation. Le responsable de la sécurité a récolté quelques informations permettant de localiser une fleur rouge. Une fleur rouge trône sur l'une des tables adjacentes à celle de l'intrus. Et aucune table adjacente n'a de nappe de la même couleur que la sienne. Enfin, sa table n'est pas ornée d'une fleur jaune. Les tables dites adjacentes sont reliées par des points
T'y est faite glisser le responsable de la sécurité à côté de la table de pique-assiette. Ok. Là, ça va s'afficher. Alors. Je sais pas du tout, hein. Il y en a une où il n'y a pas de fleurs du tout. Comme ça. Et voilà ma réponse. C'était pas ça, hein. C'est pas ça. Il va falloir trouver autre chose. Alors, voir les indices. Attendez. L'énoncé mentionne la couleur des fleurs et des nappes. Aidez-vous de la fonction note pour les tirer sur les points de la bière. Ok. Essayez. Rouge qui traîne, une fleur rouge. Alors, fleur rouge, c'est ici sur une des tables adjacentes. Oh punaise, en plus, moi j'ai du mal avec ça. La salle de l'intrus, fleur rouge, fleur rouge. C'est quoi ton couleur? Ça c'est fleur jaune, rouge, rouge, et celle-là. Voyons ce que ça donne. Je vais réfléchir encore un peu. C'est fleur rouge et peut-être celle-là. Et voilà ma réponse. Correct. Je suis rassurée. Bah oui, parce que c'était au pifomètre, hein. Alors il est 5h40. Je vais goûter. Je vais finir ce chapitre. Et je verrai si je reviens après. Ah, le pique-assiette a été retrouvé. Smith peut reprendre le relais à présent. Hop. Bon, voilà, bon, on dit, voilà, c'est cool. Ouf, merci de votre aide. Je vais de ce pas m'occuper de ce gredin. Vous avez vu ça, professeur? Je viens de participer à l'arrestation d'un suspect. Oh, regardez la démonstration. Vous commencez à retrouver en place.
Alors attendez, est-ce qu'on peut sauvegarder? Je regarde si je peux sauvegarder. Save. Save tête. Je ne sais pas si c'est fait. Save. Je cherche si je peux sauvegarder. Ça va être ça peut-être. Ouais, je vais sauver un petit peu. Et je reprendrai après, j'espère que je vais y arriver. Voilà. Je vais reprendre la prochaine fois. Oh, pardon, j'ai éteint. Je remets l'autre. Voilà. Je vous dis à plus tard pour la suite du jeu.